Différents encadreurs des troupes qui ont presté à la 12e édition du Festival des théâtres scolaires ont relevé le manque de la littérature en ce qui concerne les pièces de théâtre à produire. Cela est une nécessité pour la génération future, pensent les spécialistes en dramaturgie. Ce manque de la littérature pour ce qui est des pièces des grandes figures de la dramaturgie met en difficulté la génération actuelle qui se lance dans le théâtre. De ce point de vue, difficile de produire des pièces de qualité pouvant se référer à des grandes figures. Il y a une grande carence de pièces de théâtre. Je pense que c'est pour ça que les organisateurs sont en train d'imaginer, d'initier une sorte de formation. Des concours d'abord, sur des concours. Après le festival, ils étudient comment organiser un concours de l'écriture dramaturgique. Cette situation trouve une explication dans les contextes congolais, la rareté des dramaturges, de ceux qui se sont lancés dans ces domaines, puissent mettre leurs pièces par écrit pour permettre que les différentes productions fassent la différence. Dans cette interpellation, je crois que si tous les autres dramaturges, tous ceux qui ont la capacité, la possibilité d'écrire, se remettent à l'œuvre, nous allons donner la possibilité aux écoles de faire les choix des pièces, des thèmes divers que, aux prochaines éditions de la FEDESCO, qu'il n'y ait plus ce que nous venons de déplorer ici, la carence de textes. Garder le pièce de théâtre sur les textes devra être entendu comme une priorité pour les acteurs de cet art afin de servir des repères aux générations futures.